is doing. Il y a très longtemps, il y a, je sais pas, 27 ans, 28 ans, nous en sommes à Paris, au détour d'un couloir. Je suis tombé face à face avec deux garçons qui pratiquaient ça. Alors je suis resté étonné, émerveillé, parce que pour moi c'était quelque chose d'impossible, anatomiquement parlant. Et puis là j'ai vu que c'était bien réel. Et en voyant mon expression, mon attitude, le donneur, enfin le fister, a bien voulu me laisser la place pour que je pratique. Et lors de ma première rencontre, j'ai touché le sujet au cœur de l'action. Et là, c'était vraiment sensationnel, c'était quelque chose d'extraordinaire. J'ai rencontré Juan Carlos il y a à peu près 12 ans. Pour moi, le fist, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. J'avais même pas idée que c'était un truc pour moi. Et j'ai rencontré Juan, on s'est tout de suite plu. On a commencé lors de nos premières rencontres et premiers ébats à parler de fist. Donc pour moi, c'était une découverte. Et j'ai découvert le fist avec une histoire d'amour. Voilà. Très vite, en parlant tous les deux, on s'est dit oh, ça serait bien quand même si on pouvait un jour créer un lieu qui soit non seulement à notre image, mais en plus tout le monde a envie d'un lieu comme ça. On en parlait beaucoup avec nos amis ou nos relations, et tout le monde disait il n'y a pas d'endroit vraiment spécial fist. Et puis ben, nous, ça a commencé à germer un petit peu dans notre tête, et on s'est dit ça serait quand même vachement bien de faire un endroit où les gens pourraient venir s'adonner à leur pratique favorite, mais aussi que ce soit dans un endroit un peu d'exception où on pourrait recevoir les gens de façon agréable, confortable. Et puis petit à petit, l'idée de la fistinière a germé. Au fur et à mesure que ça germait, on se disait bah tiens, il faudrait que ce soit comme ci, comme ça. Et puis c'était un peu comme un fantasme, en fait. On se disait ça serait bien de le faire, mais on ne le fera jamais. Et puis ben, les choses de la vie ont fait qu'un jour on a sauté le pas, et puis nos idées avaient beaucoup germé, et puis ben, on les a mis sur le cahier, et puis ben, on a fait ce qu'on avait envie de faire. Alors là, on arrive dans le parc d'attractions qu'on a appelé comme ça pour un petit clin d'œil humoristique. Donc en fait, c'est simplement l'arrière de la maison où on peut s'amuser dehors en toute liberté. Il n'y a pas de vis-à-vis. On a installé ici un sling pour pouvoir profiter de l'air pur et des plaisirs en plein air. Donc ben, en été, c'est vrai que les mecs aiment bien s'amuser à l'extérieur aussi. Il y a la playroom et la chapelle fistine, en fait, mais on peut aussi s'amuser dehors si on a envie. Comme ça, on bronze en fiston, en fait. Exactement. Je suis la sœur de François. François m'a proposé un jour, quand il a créé ce projet, donc on s'est mis ensemble avec François et Juan. Je fais la cuisine, je m'occupe des courses, je m'occupe du jardin, et je m'occupe de temps en temps des clients, quand il y a affinité, parce que j'aime aussi fister les garçons. Voilà. Ça, au début, il n'était pas trop d'accord, François. Début, François et Juan, c'est normal. Tu vas dans une salle de baise où tu rencontres, tu es à côté de ta sœur. Il y a quand même des limites et des pas à franchir. Et j'ai eu un jour un client qui m'a proposé tout simplement si j'avais envie de le fister. J'avais très envie. J'ai demandé l'autorisation à François. J'ai dit voilà, on me propose, est-ce que je peux ? Bon, il me dit oui, vas-y, monte après tout.
Et puis donc ce client est devenu mon parrain, il m'a dit je vais être ton parrain, donc il m'a dit, j'ai dit tu me guides, et puis il n'y a pas eu besoin de guider parce que c'est vrai que quand je suis arrivée dans cette salle de jeu, j'ai senti toutes ces odeurs de le cuir et tout ça, d'abord je suis un petit peu fétichisme aussi, et c'est vrai que ça m'a beaucoup excitée, et maintenant je prends beaucoup de plaisir, autant avec un garçon homo, que plus qu'avec un hétéro où je trouve qu'on s'ennuie. Ça se passe tout dans le regard, tu es dans le garçon et bah, tu es là, tu dis je veux qu'il jouisse, je veux qu'il se rappelle de ma main, je veux qu'il se rappelle de moi. Et le plaisir il vient tout seul parce que moi ça m'est déjà arrivé de jouir en même temps que le garçon. Tu vois, c'est une osmose qui se passe comme ça. Je ne sais pas comment l'expliquer. Quand il y a Panelli, c'est arrivé une ou deux fois, tu manques, il y a quelque chose qui manque ici. On est tous les trois, on fait un ensemble, c'est un trio. Voilà, on a monté un bébé, et un beau bébé. Alors voilà, nous sommes dans la salle de jeu, la chapelle Christine. Alors, comme vous voyez, de par sa forme, ça nous a rappelé ça, donc c'est pour ça qu'on lui a donné ce petit nom. Et ça, c'est les fresques que Victor le graphiste a bien voulu nous faire. C'est notre Michel-Ange. Et là, donc, il y a tous les supports pour pouvoir s'amuser, on espère confortablement. Donc, alors, il y a des objets qui ont été fabriqués à partir des poutres de la charpente d'origine. Donc ce sont des poutres du 17e qui sont en bon état. Et donc on a fait la croix de Saint-André, on a fait le baldaquin. Par la suite, nous avons, bon évidemment, il y a les slings qui sont des supports plus que classiques. Chez tous les pratiquants, quasiment, il y en a, tout au moins ceux qui peuvent les installer chez eux. Et après, donc, on a plusieurs choses qui ont été fabriquées par nous-mêmes. Et par exemple, cette cage ainsi que les suspensions par le pied qui ont été faites par un ami qui est soudeur à l'armée. Et il nous a créé ça. Le baldaquin qui permet pas mal de positions. Donc, avec les étriers qui permettent d'avoir les pieds dessus quand on se met allongé. Sinon, après, c'est une question d'imagination et de souplesse, c'est tout un chacun. On peut se mettre debout, accroupi, enfin, toutes les positions sont possibles. Les étriers, qui est un petit instrument rigolo, on se met debout. Et bon, ça permet d'avoir un accès facile à toutes les parties intéressantes. La suspension par les pieds. Alors, il y a un système sur chaque suspension, un système anti-chute qui, en cas de décrochage un peu intempestible, ça va arrêter la chute. Et donc, un mécanisme de treuil qui sont autobloquants. Ce sont les mécanismes qui sont utilisés dans les théâtres, donc pour faciliter justement cette manipulation-là. Tous les objets qui peuvent aller dans le cul sont nettoyés, désinfectés et emballés pour qu'on ne puisse pas les toucher. Donc c'est tout ce que vous voyez sous cellophane, la batte, l'entonnoir, le spéculum, etc. Après, nous avons toute une série d'instruments pour la domination. Donc il y a des cravages, des menottes, des colliers, des cordes pour le bondage. Quasiment, on a détourné beaucoup de choses, mais les gens qui aiment ce genre de sport aiment détourner plusieurs objets. Pour les boules de pétanque, effectivement, ce sont des objets qu'on utilise relativement souvent, ainsi que les boules de billard. Les boules de pétanque, on peut utiliser, je ne sais pas, une, deux, trois. J'ai vu rarement au-delà de trois, parce que quand même, ça prend de la place, c'est un métal lourd. C'est comme la chaîne, par exemple, quand on met une chaîne à l'intérieur. Il faut que les maillons soient bien
bavurer, qu'il n'y ait pas de risque. Après, on peut mettre, je sais pas, 1 mètre, 1,50 mètre, 2 mètres, 3, ça dépend de la capacité anatomique, de la résistance de tout un chacun. Il faut dire que ce qui est important dans ce genre de jeu, c'est l'amusement, c'est qu'on prenne son pied, c'est qu'on s'amuse. On peut très bien jouir avec un seul doigt, comme avec une batte. Comme, ça dépend de ce qu'on a envie, dans ce dont on a envie en ce moment précis. Il y a une telle jouissance, parfois quand on voit l'expression des personnes qui se font fister avec cette jouissance-là, on a l'impression qu'ils sont rentrés en transe. Ils parlent des langues inconnues, ils émettent des bruits complètement, je dirais, non humains. Parfois ils chantent, parfois ils rigolent, ils pleurent. Parfois on s'exprime avec des mots très très forts. Il faudrait savoir comment je m'exprime, je ne sais pas. Je veux dire, à ce moment-là, je ne suis pas vraiment conscient. Je suis juste conscient des sensations que j'ai et de cette puissance qui est si forte. Mais j'ai l'impression à chaque fois de vivre un moment non seulement mystique mais spirituel, où les énergies en général sont en action. Ça c'est venu, j'en sais rien, c'est vieux ça. Je sais pas, ça fait partie des fantasmes, comme tout un chacun quoi. Moi voilà, il m'est tombé ça dessus comme ça quoi. C'est, voilà. Ici il y en a, pour l'instant j'en ai fisté qu'un, c'est l'autre là-bas. L'autre j'ai essayé, il a coincé. Et voilà quoi, et Eric qui était avec vous là, voilà, hier soir c'est lui que j'ai massacré. Mais voilà quoi, ça ne court pas les roues quoi. Et alors le challenge avec l'autre avec qui j'ai dit tout à l'heure, c'est double fist, avant dimanche. Je dis simplement qu'il y a beaucoup d'hétéros qui ont des relations gays comme ça, je veux dire, même parfois un peu hard quoi. Des mecs, ça aussi voilà, c'est des fantasmes quoi. Le mec il est en Afghanistan, il retrouve sa femme, il vient de se faire enculer à l'hôtel à côté de la caserne, tu vois. On a des beaux petits mecs, quoi. Mais voilà, non, ça peut arriver. Ça t'arrive souvent. Ça m'est arrivé, ouais. Ouais. C'est toi quand même qui l'es converti ou... Ah, mais moi je convertis personne. Moi, le mec, il arrive, il me donne son cul, je vois ce que je peux en faire, et puis voilà, quoi. C'est vite vu, hein. C'est dire. Un mec qui aime bien, comme Eric, les belles mains, quoi. Quand tu lui dis bonjour avec une main comme ça, voilà, quoi. C'est... Dans son pantalon, ça coule. Moi, ce que j'aime bien dans le fist, c'est la relation qu'il y a justement entre les deux partenaires. Quoi. Me sentir vibrer, le mec. C'est un truc en général, ça c'est comment dire. Bon, là, c'était pas trop le cas avec le mec de tout à l'heure, mais en général, moi, je fiste les mecs sur le dos. Parce que j'aime bien, en fait, voir le mec dans le regard, tu vois. Et le regard, voilà, ça parle bien, quoi. Donc j'aime bien avoir affaire à quelqu'un comme ça. Quoi. Et le plaisir que j'ai, ben, c'est justement cette relation quoi, du mec qui te supplie d'y aller. Quoi. Et puis après quand il y est, il te remercie. Et puis après, il te supplie d'arrêter. Quoi. Et en général, quand on supplie d'arrêter, c'est là que la fête commence. On sait que d'après nos pratiques, on se rencontrera. Voilà. C'est ça qui nous dit. C'est cette espèce de, pas de certitude, mais de fait.
Voilà, c'est un chez dans cette sexualité, ça apporte une connaissance de l'autre, une vraie relation. Bon, même si elle est animale et brutale par certains côtés, c'est pour être dans la position de passif, c'est quand même un. Ça a un sens de donner ce qu'on donne, d'aller au bout de soi-même, d'aller jusqu'à quasiment l'épuisement pour certains, la douleur, hein, mais bon, la douleur peut faire partie du plaisir, et pour celui qui est là, c'est quand même recevoir aussi, c'est savoir que l'autre n'existe qu'au bout de son poing, quoi, qu'au bout de son bras, et donc c'est une grande intensité où on a la responsabilité de l'autre, et dans une relation de partage, parce que l'autre donne, et puis je suis là pour recevoir, et être là, quoi, c'est voilà, et de passer de l'un à l'autre, bon, c'est terriblement enrichissant, hein. Moi, personnellement je trouve que ça épanouit bien, on a pu faire de la vie, on a pu faire de grandes choses, on se sent fort, enfin bon, comme les gens qui baissent bien, tout simplement, qui sont à l'aise avec leur sexualité, je pense, quelle qu'elle soit, c'en est une, voilà, moi ça serait comme ça que je dirais les choses, c'en est une parmi tant d'autres. Le tout, c'est que les gens soient heureux dans ce qu'ils font, que ça leur permet d'être bien dans leur vie, à l'aise avec les autres. Qu'est-ce qu'on demande, hein, s'il y avait un peu mieux, des gens un peu mieux baisés dans la vie, je crois qu'il y aurait beaucoup moins d'agressivité. Thank you.